Jeudi 10 février 2022, nous sommes à Bokonda, région du Nzi, et plus précisément à la maison du PDCI RDA. Un monde y a effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'ex-député de Bokonda, Kwasi Alukwasi Bruno, décédé le 2 août 2021. Il est 22h15 quand arrive la délégation du PDCI RDA, conduite par l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, représentant le président Henri Konombédié. À ses côtés, on enregistre la présence du président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, et des personnalités politiques et administratives. Tous sont tenus à exprimer leur solidarité et compassion à la famille du défunt. En témoignent les différentes interventions. Touché par ce deuil, le représentant du président Henri Konombédié, Dr Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi Kwasi Kro, a rendu un vibrant hommage en baoulé. Et ce, en rappelant les qualités exceptionnelles de ce grand militant, fidèle collaborateur du président Henri Konombédié. L'honorable Yao Kofi Jean-Paul, fils de la dite région, a par la suite présenté l'homme, son parcours professionnel et sa riche carrière politique. Pour lui, il était important de rendre un dernier hommage à son frère, ex-député de Bokonda. Le représentant de la famille, Konon Jacques, s'est dit satisfait de cette mobilisation et a profité de cette occasion pour remercier les militants et personnalités présentes pour ce vibrant hommage rendu au défunt. Les populations ont également chanté et dansé en mémoire du défunt, personne joyeuse et pleine de vie. Adieu, honorable Kwasi Alukwasi Bruno, que la terre de la région du Nzi te soit légère. Écoutons la réaction de l'honorable de Kwasi Kwasi Kro, Dr Yao Kofi Jean-Paul, après cette cérémonie d'hommage. C'est vrai que nous venons de perdre un grand homme, ce Kwasi Alukwasi Bruno, qui a été député de la circonscription électorale de Bokonda, mais qui a été également délégué départemental de Bokonda. Et à ce titre, il couvrait jusqu'à Kwasi Kwasi Kro parce que jusqu'en 2012, Kwasi Kwasi Kro n'était pas encore un département. Donc c'est le département de Bokonda dans lequel Kwasi Kwasi Kro était une sous-préfecture que couvrait M. Kwasi Alukwasi Bruno. À sa mort, nous avons voulu lui rendre un hommage militant. Et le président nous avait instruit de venir coordonner cet hommage militant. Nous sommes venus. Nous avons vu une population de Bokonda qui est venue honorer la mémoire de son député. Nous avons été surpris de voir qu'à ses funérailles, les habits PDCI étaient plus nombreux même que les tenues de ville. Preuve que la population se souvient bien de son député, de son délégué. Nous avons vu des parents affligés, certes, mais qui ont vraiment apprécié cet hommage que nous rendons à leur fils, parce que M. Kwasi Alukwasi Bruno le méritait bien. Nous sommes venus, nous avons trouvé des militants engagés. Nous sommes venus, nous avons trouvé des cadres qui sont en ordre de bataille pour que le PDCI puisse revenir au pouvoir. Nous voulons donc à ce titre remercier tous les cadres qui ont pu venir. Nous avons même eu des soutiens du département frère. Monsieur Yaraphaël qui est venu de Wédé. Donc ça a été une belle soirée. Nous voulons vraiment remercier tous ceux qui y ont contribué. Thank you.